Et salutations, c'est le Corbac. On se retrouve pour un petit quiz de personnalité. Hein. Vous savez, ces fameux quiz qui vous dit quel personnage de Naruto vous êtes. Hein. Vous êtes Sasuke, hein. Vous êtes Naruto. Voilà, ce genre de quiz-là. Et donc là, je fais un quiz pour savoir quel personnage, quelle fille d'Hololive je suis. Voilà, donc bien évidemment, tout le monde sait que je suis une fille dans l'âme, mais on va savoir de quelle fille il s'agit. Sur ce quiz, donc l'auteur de ce quiz précise que ce truc, il l'a fait il y a longtemps et que il n'y a pas les Hololive de la dernière génération, donc je pense pas qu'il y aura Gura, je pense pas qu'il y aura. J'ai oublié les noms, mais. La fille Lyonne, j'ai oublié le nom. Voilà, tous ces trucs-là, je pense pas, mais genre Fubuki, Akai Hato, attends, Akai Hato, je sais plus quelle génération elle est, Koroné, etc., je pense qu'ils y seront. Mais en tout cas, voilà, donc on va rentrer son nom, donc le Korbach, bien évidemment. Allez, start quiz. Donc c'est en anglais, mais je vais vous traduire hein, vite fait. Alors, do you support gay rights? Alors. Donc ça c'est pour Natsuhiro. Alors attends, I'm gay et un homophobique. Alors ça, putain, qui ça pourrait être? Ça c'est Natsuhiro Matsuri, 200%. Ah, il y a la nouvelle génération aussi. Ah, comment elle s'appelle? De la version anglaise, celle qui. Watson, voilà. Ameya Watson. Donc ça, je pense que ce serait plutôt ça. Voilà. Alors je vous dis pas qui j'essaye de d'être, hein, mais. Out of friends, which one are you? Alors, de vos amis, lequel êtes-vous? Je suis Appear, Laidback, The Fighter, Truck Freak ou Crazy Ass? Bon, ben Appear, hein, je pense. C'est pas mal. On va mettre Appear. Ensuite, nous aimons tous les gachas d'Anime Girl, lequel est votre favori? Alors, Revue Starlight Relive, Idolmaster Steering Della Girls, Ensemble Stars, I Am Sane and Do Not Engage in Gacha, Love Live School Idol Festival, ou Bang Dream Girls Band Party. Alors, j'en connais aucun, non, quoique si, je connais Idolmaster. Alors, dans le doute, avec ne serait-ce qu'au titre, je vais mettre Ensemble Star, mais là pour le coup, je connais que Idol Master Cinderella Girls. Mais bon, vu qu'on sait tous, bien évidemment, que les Hololive, ce ne sont pas des idoles, hein, ce sont des fake idoles. Du coup, je me suis dit, je vais pas mettre Idol Master, même si tous les trucs, ça a l'air d'être un peu des trucs d'idoles. Alors, on va continuer. Alors, si tu vois de la nourriture par terre, que fais-tu? Je la ramasse et je la donne à quelqu'un d'autre. Je la ramasse et je la jette à la poubelle. Je marche dessus ou je la mange par terre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense. Je pense que je la ramasse et je la jette à la poubelle. Allez. Voilà, parce que je suis quelqu'un de gentil. Prenez une musique de Vocaloid. Alors, Love Trial, je ne connais pas. Hatsune Miku. Ah, bien joué! Ah oui, Hatsune Miku, bien évidemment. Bitter Choco, décoration pseudo. Akari has arrived. Otome Kaibu. Miss Pumpkins Comical Dream, Angel Fish. What the hell is Vocaloid? Ayano's Therapy in Happiness. Bon, alors, on va dire. J'en connais aucune. Hein. Alors, je sais pas si c'est des. Si c'est même pas du. Si c'est du Vocaloid en vrai. J'en connais aucune. Mais alors, aucune. Et pourtant, Vocaloid, j'en connais pas mal. Hein. Mais alors là. On va mettre Bitter Choco Décoration, parce que ça a l'air kawaii. Allez, voilà, on continue. Es-tu un furry? Bon, ben.
Question difficile, bien évidemment. Ah oui, Oppress Fury, non, non, quand même pas. Alors, no ou yes? Bon, on va dire yes, mais hein, c'est pour le quiz, hein, bien évidemment. Alors, choisissez une de ces expériences très spécifiques. Aller dans une école catholique avec uniquement des filles et finir gay. Ah, ça c'est... Ah, comment s'appelle la série? Maria Olic, voilà. C'est 200% Maria Olic. Porter des bandages à l'école au lieu d'un des sous-vêtements. Non, au lieu des soutiens-gorge. Ok. Avoir ton typo, je sais pas ce que c'est, mais même pour les années à venir, par soit vos amis ou internet entier. Bon, bah, je pense que ça va être ça, mais on va voir. Hein. On peut changer? Ouais, on peut changer. Être moqué par des appels Discord par vos amis. Alors ça, c'est 200% Minato à quoi? Qui prétend tous être cette personne. Non, mais c'est 200% Minato à quoi, ça? Minato à quoi? Coucou. Et attendez, je connais quand même un petit peu... Oh là là, il va pas déconner non plus. Ça, je pense que c'est vous savez qui. Avoir vos parents qui trouvent de votre alter ego online. Ah putain, c'est qui ça déjà? Ah putain, je l'ai vu. C'est pas Suisei, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit Suisei, mais c'est peut-être Suisei. Discarding your result Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon DX because it was ugly. Ouais, supprimer votre résultat Pokémon dans Pokémon Donjon Mystère DX parce que c'était moche. Ça, je pense que ça serait... Ah merde, celle qui est habillée en magicienne. J'ai oublié le nom. Peut-être, je pense. Qui a jamais été autorisé de regarder Crayon Shin-chan étant jeune. Ça, je sais pas du tout qui c'est. Trier vos items dans votre inventaire de Resident Evil à l'envers. Regardez les news en ligne de vos amis tous les jours pendant presque un mois. Avoir une de vos vidéos marrantes être couverte par 8Bit Drummer. 8Bit Drummer qui est un très très bon youtubeur d'ailleurs. Et ensuite faire un cours. Aller devant le juge. Et vous retrouver en prison juste pour avoir raconté des blagues. Alors. Ça me dit quelque chose. J'hésite entre les deux là. Hein. Having your typo mind ou having one of your funnier videos by 8Bit Drummer. On va mettre ça. Si je vous disais que la Terre était plate, est-ce que vous me croiriez? Est-ce que vous me croyez? Alors. Je vais te sock you dans la face. Je vais te frapper au visage, peut-être. Le truc est que je te dirais que la Terre est plate avant même que tu essayes de me le dire. Non, peut-être. Oui, définitivement. Je pense que c'est peut-être. Allez, peut-être. Si tu avais à frapper quelqu'un à main nue, une personne d'une taille de 6, je sais pas quoi, donc je pense une grande personne, qu'est-ce que tu ferais? Jokes on them, alors, haha, la bonne blague, moi aussi je suis de cette taille, je vais te démonter. J'appelle une personne plus grande, je cours. «
Je ne serais pas en train de frapper cette personne pour commencer. Ou alors je la frappe peu importe de la différence de taille. Donc, ça je pense que ce serait plutôt Pécora. Je pense. Ah, j'hésite entre les deux là. Soit tu cours, soit tu la combats pas pour. On va dire, on est très très gentil, on ne tape pas les gens. Est-ce que tu ferais caca pour 1 million de dollars? Oui, no comment, non. Ah putain, je crois savoir la référence en plus. No comment, allez, no comment. Est-ce que tu préférerais lire Homestuck ou mourir? Alors, mourir, j'ai déjà lu Homestuck, ou je lis Homestuck. Alors. Aïe 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 aïe. Ah non, mourir, quand même. Faut pas déconner. J'ai une éthique, quand même, un minimum. Alors. Tag avec ton majoring intend of on majoring in. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais le plus, peut-être? Alors, YouTube, Minecraft. Je suis terrifié que je puisse me bloquer dans un intérêt qui ne serait. Ouais, bon, voilà. W, Batman, respecter les femmes. Criminal justice et psychologie ou la putain de weed. Donc, j'ai presque envie de dire celle-là. Allez, on va mettre celle-là. C'est celle-là ou celle-là. Hein. On va hésiter. Bon, allez, YouTube quand même, parce que YouTube, je passe beaucoup de temps dessus. Opinion sur Akemi Omura, mais Akemi Omura, c'est la waifu. Hein, bon, moi, je préfère quand même Mamie Tomoe, mais c'est vrai que c'est un peu son arch-némésis, Mamie Tomoe, mais j'aime bien les deux quand même. Je l'aime bien, mais elle a tout fait de travers. C'est qui? Je ne l'aime pas. Elle n'a rien fait de mal, elle est cool. Non, mais elle est cool. Définitivement, elle est cool. Voilà. Ensuite, choisissez votre type de jeu préféré. Alors, older retro games, donc les jeux rétro, les putains, les jeux de la série Yakuza, hein. Les RPG, Battle Royale, où je joue à ce jeu, je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Ah, bonne question. Aïe 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 aïe. Très très bonne question, parce que j'ai envie de dire tous, hein. J'ai presque envie de dire I play whatever. Allez. Voilà. Est-ce que tu as des compétences spéciales? Alors, je m'effraie facilement au jeu multijoueur. Non. Pardon, j'ai mal lu la phrase, vous inquiétez pas. Je suis sacrément bon en jeu multijoueur. Voilà, c'est ça, voilà. Je peux tout faire vraiment, je peux dessiner vraiment bien, je peux cuisiner, pas comme mes amis. Je peux vibe, j'ai la vibe. Et ma compétence spéciale, c'est d'être une petite salope. Voilà, je suis désolé, hein, c'est ça qui est dit sur la phrase. Hein. Donc, du coup, on va dire, je suis sacrément bon au jeu multijoueur. Hein. Voilà, c'est bien connu. Allez, qui est-on? Allez, prions. Prions pour que ça soit Fubuki. Allez, 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 allez. Yes!
Yes! ben voilà. La vérité, bien évidemment. Alors. Ah ouais, on voit pas tout l'écran, bon, c'est pas grave. Tu appartiens à la race des filles inhumaines d'animé. Tu es joyeuse. Tu es quelqu'un avec qui on a la joie et toujours de très bonne humeur dans des sessions de groupe. Tu es probablement celle qui est la plus mignonne des fuckers sur la planète et tu es Fury. Bon, vous me direz en tant que corbeau. Voilà. Mais bon, je suis très content. J'ai eu le résultat que je voulais, hein, bien évidemment. Mais oui, je suis Fubuki, bien évidemment. Fubuki jusqu'à la mort. Allez, bah écoutez, au pire, je vous mets le quiz hein, sur la page. Enfin, en description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous fais des bisous. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.